Lock Captain, someone set up Azkaban. We get signal. Lock. Main screen turn on. It's you. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way for destruction. What you say? You have no chance to survive, make your time. Yo, push it. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je m'attaque à une légende du jeu vidéo Zero Wing. Alors, je dis légende mais c'est dans le sens où ce jeu est considéré comme l'un des plus nuls au monde. Déjà pour ses traductions foireuses. Je vous ai mis l'introduction en intro. C'est un peu con de dire ça mais oui. Et pour ceux qui sont initiés un minimum à l'anglais, vous pouvez donc constater que la traduction a été faite par un autiste. Hein. Ça c'est une chose. Cependant, ce n'est pas le seul défaut du jeu. Déjà, lorsque l'on essaye le jeu pour la première fois, la difficulté est telle que la plupart des joueurs se disent que ça vaut même pas la peine de continuer. Cependant, si on s'accroche vraiment à ce jeu, on peut lui trouver quelques qualités que nous allons voir. Mais dans l'ensemble, il est vrai que la difficulté est affreuse. Et donc les traductions à la base, bon, c'est une chose. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, donc c'est un shoot 'em up. Zero Wing est un shoot 'em up. Donc je vais le commencer. Donc je me réserve 3 vies. Alors pourquoi je vais parler de ce jeu? Parce que vous le savez certainement, il existait sous Mega Drive. Faut savoir qu'à la base, ce jeu a été développé pour les bornes d'arcade. Alors si vous n'avez jamais posé les mains sur une borne d'arcade, vous avez raté votre vie. Voilà, ça c'est dit. Donc courez dans le bar le plus proche où il y a une borne d'arcade et essayez au moins de jouer une fois un jeu d'arcade, ça vaut le coup. Nombreux auront été les joueurs qui auront gaspillé toutes leurs économies étant enfants sur ces fameuses bornes. Moi-même, hein, je l'ai fait. Mais revenons à Zero Wing. Donc c'est un jeu qui a été développé à la base sur arcade, enfin pour les bornes d'arcade. Et puis il a été repris sur Mega Drive. Ça c'est pour la petite histoire. Mais il a été repris récemment. Enfin récemment, non pas vraiment récemment, mais il a été repris pour jeu Flash. C'est pour cela qu'il est dans cette émission. Donc je joue sur la version Flash actuellement. C'est comme le jeu sous arcade, hein, l'ayant essayé jadis sous arcade, je peux vous dire c'est le même jeu. Voilà, donc je viens de me faire tuer une fois. Alors vous voyez hein, déjà, là, alors on appuie sur C pour utiliser là, le fameux rayon qui permet de capturer certains ennemis. Et on appuie sur X pour tirer. On se dirige avec les touches directionnelles. Alors la première erreur, parce que les meilleurs jeux de shoot'em up que je connais, on contrôle le vaisseau avec la souris, ce qui est nettement plus pratique. Enfin soit. Voilà. Alors au niveau, on va quand même critiquer un petit peu l'aspect. Alors mine de rien, ce jeu est quand même assez bon hein, quand on y regarde. Les graphismes sont loin d'être horribles.
comment le gameplay, bah bon, c'est du shoot 'em up, bon, c'est un style. Par contre, du shoot 'em up comme ça tout le long d'un jeu, c'est pas vraiment ce que j'aime. À la limite, une phase de shoot 'em up dans un jeu complet, ça se laisse apprécier. Mais un jeu entièrement en shoot 'em up, on en a rapidement marre. Ça c'est déjà un premier point pour ce jeu. Au niveau sonore, je vais augmenter un petit peu le son dès que j'aurai un peu de calme. Attendez. Bon, attendez, c'est juste pour augmenter un peu le son. Alors, voilà, déjà rien que le son du game over. C'est une chose. Alors, donc je vous ai dit, hein, nombreux sont ceux qui auront utilisé leurs économies sur les bandes d'arcade, c'est pour ça. À chaque mort, donc, il fallait repayer, c'était 10 francs à l'époque, hein, pour refaire une partie. Ou 2 francs à l'époque, je sais même plus, j'ai plus les prix en tête. Hein, Bon, alors, déjà, vous avez pu remarquer déjà que quand on perd, on ne recommence pas à zéro. Donc, déjà, au niveau frustration, et ben, il n'y en a pas, hein, on reprend là où... Bon, juste avec le score à zéro, on reprend le score à zéro, mais on reprend là où on en était. Donc ça, c'est assez sympa. Alors voilà, c'est très très difficile. Franchement, c'est un jeu extrêmement difficile. Ça, la difficulté y est. Donc, quelque part, c'est pas plus mal parce que, bon, on a un véritable challenge. Voilà, je vous laisse apprécier la musique, hein. Franchement, pour un jeu d'arcade, le jeu et la musique est très bonne. Y a rien à dire. Je me mets au défi quiconque de me critiquer, de dire le contraire. Le jeu est très très bon. Bon, mais voilà, les mauvaises traductions et la difficulté ont fait que, c'est les facteurs qui ont fait que Zero Wing est tombé dans l'oubli très très rapidement. A même dégoûté les joueurs dès la première les premières minutes de jeu, quoi. C'est dommage parce que je vous dis, en s'accrochant un petit peu à ce jeu, et ben on finit par l'apprécier. Donc graphiquement c'est beau, hein. Graphiquement bon, ça peut être pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est pas laid, hein, moi je trouve. Hein, y a des jeux nettement plus moches que ça. Niveau qualité sonore, franchement, moi ce jeu m'épate. Et puis au niveau du gameplay, bien que assez répétitif, on s'amuse. Ah oui, bah oui, si, bah on va parler du gameplay. Alors, faut savoir que certains ennemis donc ont un pattern donc d'attaque, hein, c'est-à-dire qu'ils réalisent toujours les mêmes attaques, plus ou moins de façon aléatoire. Mais certains ennemis attaquent selon votre position. Par exemple, les unités au sol, vous savez, les petites boules roses là. Voilà, par exemple, ça c'est un boss. Bon, il attaque. Son pattern, c'est d'attaquer un petit peu au hasard. Il envoie un laser un petit peu au hasard, sans vraiment réfléchir. Bon. Ah bah, et là je me débrouille très très bien, franchement, parce que d'habitude j'ai beaucoup de mal. Et là je m'épate moi-même, quoi. Voilà, alors en fait c'était un mini boss que j'avais avant. Et donc là voilà le vrai boss quelque part. Alors lui, son pattern est assez... Donc on parle de pattern, hein, dans les shoot 'em up. Si vous connaissez l'émission... Ah, par quoi je me suis fait tuer là? Ah, je me suis écrasé contre le mur, j'y crois pas. Ben voilà, souvent on fait même pas attention à ce qui nous tue. Hein. Tout est vraiment danger dans le jeu. Oui, donc les ennemis, voilà, hein, c'est... On a un peu de tout. Ah oui, non, faut pas que je fasse ça. Ah. Bon, voilà, je me suis carrément écrasé sur sa boule de feu. Voilà, game over. Donc, deuxième game over, hein, j'ai dit que j'allais jusqu'à 3.
Donc mine de rien, donc je disais, les ennemis sont vraiment pas mal codés. Parce que avoir certains qui sont comme des balais, mais d'autres qui ont un, voilà quoi, une sorte d'intelligence artificielle, franchement ça se laisse apprécier. Hein. Donc vous voyez, hein, je reprends vraiment là où j'ai quitté, où j'ai perdu la première fois, donc, enfin précédemment. Donc ça c'est un point quand même à garder, hein, de pouvoir garder comme ça le... Alors attendez, je me concentre. Oh, putain. Donc à chaque fois on a 5 vies, hein, 5 vies avant d'être game over. Bon, donc ça nous fera une quinzaine de vies. J'arriverai pas à passer le niveau 1, j'ai jamais réussi, hein, je vous l'avoue. Là j'ai trouvé que je me suis débrouillé très bien sur le premier niveau, mais là sur la fin, pas terrible. Donc ce jeu a été voilà, été vraiment massacré par de nombreux joueurs qui. Voilà. Alors par exemple, tiens, pour revenir à ce boss là, alors les balles roses qu'il envoie. C'est par vague complètement aléatoire, enfin pas aléatoire, mais voilà, c'est toujours les mêmes vagues. Par contre, la boule de feu rouge qu'il envoie, il l'envoie vraiment sur vous. C'est-à-dire que le monstre, enfin le boss, détecte votre présence et vous envoie la boule de feu. Et ça, avoir certains ennemis qui font ça, c'est vraiment. Bah, voilà quoi, ça vous fout vraiment les foies quoi. N'importe quoi. Voilà, le problème c'est ça aussi. Voilà, bon, quand on meurt, on meurt juste avant un vaisseau qui nous donne un bonus. Bon, c'est une chose, mais le bonus c'est toujours le même et il est trop pourri pour pouvoir vraiment continuer lorsqu'on est aux portes d'un boss quoi. J'aurais préféré les lasers ou les comment? Ou les missiles. On a vraiment très très peu de marge, hein, par contre, hein, pour ce boss. C'est assez agaçant. Bon, troisième game over. Donc, pour revenir donc à Starwing, hein, donc, enfin, Starwing, à Zero Wing, ben, c'est un jeu qui a ses défauts, certes. C'est pour cela qu'il est réputé comme étant très mauvais. Mais il a ses qualités. En tant que shoot 'em up, et moi, je recommande tout de même de jouer à ce jeu. Donc voilà. Que dire de plus? Oui, peut-être un dernier petit défaut. Si vous avez regardé, donc hein, on n'a que trois types d'armes différentes. Plus le fameux bonus qui nous permet d'aspirer nos ennemis. D'ailleurs, je devrais m'en servir davantage de cette attaque. Mais voilà, mais que 3 armes plus un spécial, ce n'est peut-être pas assez. On aurait peut-être préféré plus de diversité d'armes. Mais bon, aussi pour l'époque, hein, faut savoir que Zero Wing est dans l'un des premiers shoot 'em up. Ce n'est pas mon préféré. Loin de là, même d'ailleurs, c'est loin d'être mon préféré. Je connais d'autres shoot 'em up, hein, qui sont très très agréables à jouer. Je ne sais pas si je vous en montrerai un autre, par exemple, mais... Donc voilà, pour Zero Wing, ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.